Aujourd'hui, on se retrouve pour un webinaire EXO pour vous présenter une partie des nouvelles fonctionnalités de la version EXO 6.5 et on va parler des nouveautés de l'application Document. Donc, l'agenda du webinaire d'aujourd'hui, c'est on va parler de votre problématique, notre réponse et les perspectives. Donc, la problématique qu'on nous a remontée, c'est qu'en tant qu'utilisateur, j'ai besoin de charger facilement des dossiers et des fichiers. Et EXO permet maintenant d'emporter des dossiers et des fichiers et de charger des versions sur un document existant. Vous avez également besoin de gérer rapidement des dossiers et fichiers. Et donc, du coup, maintenant, nous avons la possibilité de faire la sélection multiple, de faire des actions multiples. Et il y a plusieurs optimisations dans l'application document pour être plus efficace. Il y a aussi des indicateurs du volume de la gestion documentaire. Et on a également eu le retour ou le besoin qu'il faut que ce soit plus facile de partager des documents avec des partenaires externes. Et maintenant, EXO permet également la génération de liens de téléchargement public. Donc, on va commencer avec la démonstration, le support ici avec tous les détails que je vous présente. Comme ça, ça serait bien sûr disponible aussi pour vous dans vos espaces. Donc, vous avez après le webinaire, bien sûr, en résumé de tout ce qu'on vous présente. Ok, on va commencer. On a parlé de documents, comment ajouter des documents. On peut maintenant emporter une arborescence de dossiers et des documents. Comment je fais ça? Je vais très simplement cliquer sur Nouveau. On va cliquer sur Importer. On va chercher notre fichier zip. Ça fonctionne que par fichier zip. Donc, bien faire attention à ça. Je prends mon exemple ici. Ça commence à charger. Et pendant que cette action est réalisée, vous pouvez ouvrir un deuxième onglet et travailler sur autre chose. Donc, voilà, vous n'avez pas besoin de rester sur cette fenêtre-là. Vous pouvez regarder, consulter d'autres pages. Mon zip, il est téléchargé. Maintenant, je vais indiquer les règles de gestion des doublons. Donc, s'il y a un doublon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je duplique l'élément ou est-ce que j'ignore ces éléments? Donc, moi, dans ce cas-là, je vais cliquer sur dupliquer les éléments. Du coup, j'aurai une version 1, 2, etc. Je vais faire importer et mon zip, il est importé. Vous avez aussi ici un message qui vous indique que le fichier est bien importé. Et ici aussi, vous avez une indication que le fichier était importé à 100%. Voilà. Là, encore une fois, si vous n'avez pas le temps de rester sur cet écran, vous souhaitez travailler sur autre chose, bah, vous ouvrez un nouveau onglet, vous travaillez sur autre chose. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Il y a une fonction qui peut être activée. Vous voyez ici en haut que j'ai eu une notification. Et donc, du coup, je vois que 9 documents ont été importés dans le dossier. Donc, ça me montre à plusieurs endroits que mes dossiers étaient bien téléchargés. On voit bien qu'avant, cette page, elle était un peu plus vide. Et là, ça a bien importé le fichier. Et on voit que tous les fichiers et les documents qui datent du 18 janvier étaient bien téléchargés. Deuxième chose, on peut aussi charger une version sur un document. Comment ça se passe? Je vais prendre par exemple ce document-là ou un rapport financier ici. Je vais cliquer sur les trois points. Moi, je vais quand même cliquer. Oh, je vais remonter, ça fonctionne. Et maintenant, ici, il y a une option qui s'appelle « Charger une version ». Voilà, je prends ma version, j'ai peut-être actualisé ce document
Je le sélectionne, je vais faire « Ouvrir ». Et donc, du coup, mon fichier, il est téléchargé avec succès. Comment je peux vérifier que l'action est bien réalisée? Je clique sur les trois petits points. Encore une fois, j'ouvre l'historique des versions et je vois que le document, il était créé le 22 mars 2023 et depuis, il y a différentes versions, dont une version qui était créée aujourd'hui le 18 janvier à 14h39. Et donc, du coup, je peux être sûre que mon élément était chargé. La nouvelle version est disponible. Une fonctionnalité qui était attendue, je pense, par beaucoup entre nous maintenant, la sélection multiple, elle est disponible aussi chez Exo. Donc, vous glissez sur votre écran et là, vous pouvez sélectionner un fichier ou des documents et vous pouvez les glisser dans un autre document. Voilà, ça se glisse bien dans les autres documents. Vous pouvez faire donc des déplacements multiples, vous pouvez faire des suppressions multiples. Donc, on choisit ces documents, on clique ici sur deux éléments sélectionnés et là, on peut encore une fois les déplacer. On peut les télécharger en masse ou on peut les supprimer en masse aussi, si c'est ça votre souhait. Et bien sûr, on peut aussi tout sélectionner ici en haut. Voilà. Donc ça, c'est vraiment chouette. Les équipes ont également retravaillé les accès. Donc, du coup, vous connaissez déjà l'icône ici, les accès. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Donc, on clique dessus. Les dossiers, les fichiers peuvent être disponibles soit pour tous les membres de cet espace, soit pour les collaborateurs désignés. Donc, je peux bien indiquer une personne ici et donner les droits. Soit on peut, cette personne qui est indiquée, elle peut éditer ou juste lire le document. Donc, voilà. Et vous pouvez aussi donner accès aux membres de l'espace et vous pouvez rendre l'accès aussi public. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ici, vous avez un lien de téléchargement public et vous pouvez définir les options du lien public. Donc, ici, je vais l'ouvrir et dire mon document sera disponible si j'indique un mot de passe. Je vais choisir mon mot de passe. Voilà, j'enregistre mon mot de passe et maintenant je peux partager le lien à une personne externe de la plateforme qui n'est pas enregistrée dans la plateforme et cette personne, elle peut avoir accès à ce document via ce mot de passe. On va regarder si ça marche. Je vais ouvrir une nouvelle fenêtre. Hop. Hop. Et on va prendre le lien. Ah, pardon, je n'ai pas enregistré. Bien sûr, ça marche mieux si j'ai enregistré et c'était ce document-là, parce que je vois bien ici que j'ai changé l'accès. Je prends le lien. Je vais sur ma nouvelle fenêtre. Hop, j'indique mon lien. Vous voyez bien que j'arrive sur la page de connexion de ma plateforme. Ici, on m'indique quel document ou quel document je peux avoir accès. J'indique mon mot de passe. Voilà, pardon que chez moi, c'est en allemand ici, je m'en excuse, mais mon navigateur est paramétré en allemand. Je n'avais pas pensé à changer avant, toutes mes excuses pour ça, j'y penserai la prochaine fois. Et donc, du coup, maintenant, par contre, vous voyez que mon document est bien téléchargé et je peux avoir accès sans problème. Je vais faire le test.
Voilà, ça s'ouvre bien, ça met un peu de temps pour télécharger. Hop, je ne vais pas attendre, mais vous voyez, ça a fonctionné. Donc, vous voyez, vous avez vu comment il y a cela... Bon, en même temps, Kerstin, Corinne de Rumilly demande si on peut partager un dossier. Oui, c'est possible aussi, tout à fait, pas de souci. Bonne question. C'est un peu la même manière. Ouais. Oui, tout à fait, c'est les dossiers et documents. Vous faites bien de le préciser. Et ce qui était, on peut actualiser aussi. Ici, on a aussi ajouté des images. Comme ça, on voit plus facilement qui a modifié le dernier document ou le dernier fichier. Et après, qu'est-ce qu'il y a de nouveau aussi? C'est en fait maintenant la mémorisation. On a une mémorisation de la vue sélectionnée. Ça veut dire que quand je vais dans un espace et je vais toujours dans la vue dossier, la prochaine fois que je vais à nouveau dans cet espace, je vais tomber tout de suite dans la vue dossier. Je ne vais pas arriver dans la vue récente. Auparavant, on arrivait toujours sur la vue récente. Il fallait ensuite choisir d'aller de voir la vue fichier du dossier. Et maintenant, voilà, c'est le logiciel qui s'adapte à vos habitudes. Et si vous êtes toujours sur la vue dossier, c'est cette vue-là qui va s'ouvrir en premier. On va aussi gagner en clic quand vous ouvrez un document. Donc, avant, on avait en preview. Donc, espérons, normalement, ça devrait marcher maintenant. Voilà. Et ça s'ouvre directement maintenant le fichier. Avant, on avait une visualisation avant et il fallait recliquer pour rentrer dans le document. Donc, ça, ce n'est plus le cas aussi. Ensuite, quand vous voulez télécharger des documents, vous avez aussi la fonctionnalité du glisser-déposer maintenant. Autre chose que plusieurs d'entre nous ont attendu, c'est vous avez le clic-toi et quand vous cliquez sur la souris sur votre côté droite, il y a le menu qui s'affiche et vous pouvez cliquer l'action qui vous convient. Il y a une optimisation, bien sûr, de l'affichage en mobile également. Et est-ce qu'il y a autre chose auquel je n'ai pas pensé? Oui, vous pouvez aussi voir combien de personnes ont consulté votre document. Pour faire cela, vous choisissez votre document, vous allez dans « Informations », donc « Afficher les détails ». Et ici, je peux voir qu'il y avait 5 vues sur le document. Voilà, et ensuite on a ajouté aussi des filtres avancés. Donc quand vous allez dans vos filtres documents, vous avez ici le bouton filtre et vous pouvez filtrer les documents par document, tableur, etc., date de modification, taille du fichier. Concernant la responsabilité numérique, on a bien sûr pensé aussi à ça. Ça veut dire que maintenant, on va bien la taille du fichier ou du document. Et sur votre page d'accueil, si vous le souhaitez, vous pouvez également ajouter ici la fonctionnalité document qui vous indique combien de stockage prend cet espace et s'il y a des documents qui étaient ajouté au cours des derniers jours. Par rapport à la co-édition, j'aimerais aussi ajouter qu'on a téléchargé la nouvelle version de OnlyOffice et on a intégré du coup toutes les nouvelles fonctionnalités de OnlyOffice par rapport à cette co-édition sont disponibles aussi sur le desktop et bien sûr aussi sur le mobile. Voilà, et avec ça, j'ai présenté la majorité des nouvelles fonctionnalités. Et si jamais les prochains jours, il y a encore des questions qui arrivent, vous allez tester aussi la solution. S'il y a des questions qui arrivent, n'hésitez pas de nous contacter. Vous savez comment nous joindre. Nous allons répondre avec plaisir. Et voilà, on va vous mettre aussi tous les documents à votre disponibilité. On vous remercie d'avoir participé à ce webinaire.